La phase de développer un partenariat avec la faculté polydisciplinaire à l'Arrache pour développer effectivement ce projet d'incubateur. L'incubateur, c'est quoi? C'est un espace de promotion, de sensibilisation, de formation, d'accompagnement, de coaching pour les étudiants qui pensent pas uniquement fonctionnariat et salariat, mais pensent aussi entrepreneur. Donc l'objectif, c'est vraiment donc, accompagner des jeunes pour qu'ils puissent créer de la valeur, créer de l'emploi, créer de la richesse. L'ambassade belge et la coopération belge a développé plusieurs expériences au Maroc. Ce qui est bien pour l'Arrache, c'est qu'on va capitaliser sur tout ce qu'on a développé, soit à Casa, soit à Rabat, soit à Fès, Meknès, ou même ici à Tanger, effectivement. Donc, en plus, on va capitaliser sur l'expérience belge en termes d'incubation. Donc, voilà, je remercie déjà l'université et la faculté pour d'avoir pensé à ce créneau entrepreneuriat, parce qu'on estime que c'est un volet qui est stratégique. Et là, je m'adresse vraiment directement aux jeunes pour dire que le contexte marocain a changé. L'État, ce n'est plus le principal recruteur. Le secteur privé a ses propres contraintes. Donc l'entrepreneur reste un scénario vraiment stratégique et important pour les jeunes entrepreneurs. Maintenant, il faut quand même essayer de changer la perception qu'on a jusqu'à maintenant pour l'entrepreneuriat. Donc à travers l'entrepreneuriat, vraiment, c'est un choix stratégique pour notre pays aussi. Donc voilà, je ne vais pas être très long. Je remercie Monsieur le Gouverneur pour l'intérêt qu'il donne vraiment aux jeunes qui sont vraiment la locomotive de l'avenir, à la faculté présidentielle pour l'invitation. Et je dirais que la coopération francophone belge est là pour accompagner cette expérience.